Voici Axel Bauer. Axel Bauer, mesdames, messieurs, la meilleure façon de présenter Axel Bauer, c'est ça. Axel Bauer. Alors, le dernier morceau qu'on vient d'entendre, ça s'appelle Ma Place, c'est un duo avec Zazie. Ça marche très très bien, c'était sixième au top 50. Hein. Voilà, cet extrait de l'album Personne n'est parfait, qui s'appelait Achille au départ et qui a changé de titre, qui est réalisé avec Pierre Jaconelli en collaboration avec Zazie, avec Miossec et avec Ilem Kadid, qui par ailleurs est votre compagne, puisqu'ici on dit tout, on le dit aussi. Entre autres, et avec mes musiciens aussi. Et vos musiciens aussi, vous savez comment on fait ? Et ma compagne aussi. Et ma compagne aussi, oui. C'est comment on fait, Axel ? Oui, je sais. Voilà, alors il y a une tournée à l'automne, passage à l'Élysée-Montmartre. On va parler un peu de vous, parce qu'effectivement, bon, le cargo, évidemment, ça a été énorme. Éteint la lumière, j'aime beaucoup Éteint la lumière, qui était sur Sentinelle. Et puis celui-là, qui vous remet sous les feux de la rampe. Alors, votre vrai nom, c'est Axel Ulrich Adolf Bauer. Tu vous dis êtes... rien, là. Vous étiez... Non, c'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Je vais pas alourdir ton karma, déjà. C'est énorme. Hein. Moi, je sais que c'est un gentil garçon, mais là, c'est vrai qu'il a un peu un nom de nazi, quoi. C'est pas évident à porter. Vous êtes né je en... Dois répondre, je peux répondre répondez, bien sur sûr. Le Adolf, en fait. Le Adolf, c'est mon arrière-grand-père qui est l'inventeur du Pyrex. C'est l'inventeur du Pyrex. Voilà, ouais, donc c'est une fierté dans la famille. Vous êtes né en 61 à Paris, d'une famille de musiciens. Alors, c'est incroyable, quoi. Votre grand-père, c'était l'harmonium. Votre grand-mère, c'était le piano. Votre père, il était pianiste et batteur. Il était au Club de France, votre père. Oui, enfin, c'est surtout c'est surtout le monsieur qui était à la radio de Londres et qui disait « Les Français parlent au français ». Ah ouais. C'est plutôt ah ouais, tu par vois. Ça qu'il est connu. Tu traites de nazi, toi. Ouais. Donc, ouais, c'est aussi... Ouais. Ah oui, il y a de la famille quand même. Joker, là. La hein, famille est quand même plutôt ouais. Portée sur le... Puis surtout, votre père, il a organisé en 1946 un festival de jazz avec Charlie Parker et Miles Davis. Je sais pas qui c'est. Bah ouais. Oui, à l'époque, personne ne savait qui c'était. Puis maintenant, on sait un peu mieux, oui. Votre tante était concertiste classique, elle a joué au Carnegie Hall. Enfin, voilà. Il n'y a que votre mère, et c'est pourtant elle qui vous a poussé à faire de la musique, bizarrement. Elle jouait du triangle, non ? Elle jouait du triangle, oui. C'est vrai. Non, ma mère a toujours adoré la musique, mais ouais. Sans pour autant être attirée par le fait d'en faire. Et voilà, c'est elle qui vous a poussé à jouer, bizarrement. Et d'ailleurs, plus tard, quand vous avez eu votre crise mystique autour de la trentaine, là, vous êtes parti au Sahara avec les Touaregs, et vous êtes demandé si, effectivement, c'est vrai, est-ce que vous êtes dit, est-ce que j'ai été musicien parce que toute ma famille, c'était des musiciens, ou est-ce que c'est un vrai choix ? C'est vrai. Hein ? Parce qu'on pourrait se demander, effectivement, il y avait une telle pression de la famille sur sur la musique. Alors, vos influences, ça, je dois dire, elles sont superbes. Les Who. Hein ? Roger Daltrey a fait une reprise de Cargo, d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir. Ouais. Si vous l'avez, ça intéressera ma femme. J'ai un remix et j'ai perdu le CD. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais comment ça se fait qu'il a fait une reprise ? Le mec, il fait un je l'ai rencontré en Belgique. En fait, j'étais dans une loge de télévision et il y avait cet Anglais qui criait parce qu'on lui avait perdu sa guitare. Et puis il criait tellement fort qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai pris ma guitare, je suis allé le voir, je lui ai dit tiens vas-y, nous fais pas chier, vas-y, joue. Voilà. Et c'était Roger Daltrey. Mais où ? Et alors là j'étais un peu... J'ai perdu 50 000 balles. Parce que c'était mon idole. En fait. Ouais, c'est l'idole, le mec il a fait une reprise de Cargo de Nice, c'est incroyable. Ouais, Et du coup il est resté pour me voir à la télé, il a aimé le morceau et il l'a repris. C'est génial. Incroyable, ouais. Ah ouais. Roger Daltrey.
Eh oui. Roger Deltré. Michel. Non, Tommy. Les Who. J'ai mis mes lunettes pour mieux entendre. Les Who. Tommy. Bien. Alors, autre influence quand même, Led Zepp, les Stones, Pink Floyd, etc. Et en fait, c'est vrai que j'ai décidé de jouer de la guitare en 72, Porte de Pantin, en voyant l'ultime concert des Who. Donc les Who ont une importance. Ça n'a pas toujours été simple pour vous parce que vos parents se sont séparés quand vous étiez petit. T'as vu le ton du grand? Oui, ça c'est... Ça n'a pas toujours été simple. Comme beaucoup de gens. En même temps, Thierry, non, c'est pas été... ça n'a pas été d'un grand traumatisme. Ouais. J'ai survécu. Vous avez survécu, enfin, vous êtes quand même retrouvé dans un internat religieux à Pontoise. Vous avez failli vous faire violer quand même. Je me suis défendu, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas fait violer, mais vous êtes fait bloquer. Non, mais c'est vrai que l'homosexualité faisait partie de ce collège, donc. Vous avez vu ce que c'était, même si vous n'êtes pas fait violer, vous avez vu ce que c'était de se faire serrer par des mecs qui veulent vous sauter, quoi. Disons que ce qui a été difficile pour moi, c'était que j'étais plutôt un petit garçon qui dessinait d'abord, avant de faire de la musique, et donc j'étais plutôt introverti, solitaire. Et là, je me retrouvais dans un dortoir. Je passais du cadre familial à un espèce de dortoir comme ça, où il y avait 15 personnes qui dormaient dans la même chambre. J'avais jamais vécu ça avec effectivement des tentatives un peu de rapprochement sexuel. Ouais. Mais en même temps, je crois que si j'avais pas été à dans cette école, jamais j'aurais appris la guitare, en fait. Parce que c'est vraiment ça qui m'a donné c'était mon seul exutoire. Ouais. Et puis, j'y suis pas resté très longtemps, parce que je me suis fait virer pour trafic de drogue 2 ans après. Heureusement. Voilà, alors, vous faites virer, donc votre adolescence s'est passée dans la capitale. Fréquenter les boîtes de rock, Rose Bonbon, etc. Mm-hmm. Voilà, après vous avez vu votre époque baroudeur, vous partez docker à Marseille, vous partez à Dakar, dans l'île de Gorée. Et en rentrant, vous faites avec Michel Elie, vous faites Cargo, qui a été illustré par le fameux clip de Mondino, qui était son premier clip qui a eu vraiment du succès, inspiré par Querelle de Fassbinder, qui était un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque. 1,5 million exemplaires vendus. Oui, alors ça, on n'a pas les chiffres, parce qu'on sait que les usines tournaient la nuit, donc je me suis fait arnaquer. Et là, vous devenez une icône gay. C'est-à-dire, vous qui avez refusé de vous faire violer à Pontoise. Dur, ça. Hein, c'est vrai, le côté cuir. J'aurais dû, peut-être. Vous ne saviez pas, vous, en fait, mais le côté cuir, comme ça et tout, vous êtes devenu subitement... Non, en fait, je veux dire, j'étais très naïf, parce qu'à la maison, quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder la télé. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 3 chaînes, noir et blanc, bon... Après, j'ai été en pension. Et puis après, j'habitais dans une petite chambre de bonne où j'avais pas de télé. Donc, quand j'ai été parachuté comme ça dans le fait de faire un disque et d'aller faire les premières télés, en fait, je me suis retrouvé dans un univers que je connaissais pas du tout, quoi. J'avais jamais vu une émission de variété de ma vie, par exemple. Et là, vous faites Champs-Élysées. Par exemple, Vous cassez des guitares. Vous êtes un peu emporté par le personnage à ce moment-là, non ? Il y avait un peu de ça. En fait, je voulais faire quelque chose. Je voulais qu'il se passe quelque chose dans cette émission. Donc, je voulais faire quelque chose de surprenant. Et en fait, le résultat, c'était plutôt que je me suis rendu un peu ridicule. Magnéto, Serge ! Ah, on va le voir. Bon, d'accord. Alors. C'est assez touchant parce qu'on voit bien. Non, vous dites, j'avais oublié que quand Hendrix et Tosh Sen cassaient des guitares, c'était après 2 heures de concert, quoi. C'était pas chez Drucker pour faire une chanson. Voilà. Ouais.
C'est un peu ridicule, vous l'avez dit vous-même, oui. Ah oui, je trouve que c'était franchement ridicule. Ça ne l'aurait peut-être pas été si j'avais été franco, par exemple. Ouais. Si j'avais... En fait, j'étais partagé à ce moment-là entre le fait de « est-ce que je chante ?» Donc du coup, je ne chantais pas bien. Ouais. Et puis « est-ce que je... » Mais en chantant, j'étais en train de penser à quel moment je vais casser ma guitare. En même temps, naïvement, je me disais quand même « je vais garder le micro ». Alors du coup, je me retrouvais avec la guitare et le micro. Et là, je n'avais pas prévu. Super. Oui, bien alors. Ce qu'il faut dire aussi, Axel, c'est qu'à l'époque, vous aviez une image très commerciale, alors qu'en fait, j'étais plutôt underground, style Rita Mitsuko et tout ça, quoi. Totalement, d'ailleurs, ça m'irrite un peu quand on dit que Cargo de Nuit, c'est un espèce de gros truc façonné par les maisons de disques. Ouais. Alors, d'abord, qui connaissait Léon Caba, le patron de Vogue, à l'époque, savait très bien qu'il n'aurait rien pu façonner, cet homme-là. Ouais. Mais... Donc, sur ce, la maison de disques Vogue fait faillite, donc vous, voilà. Le deuxième single, Fantasme, c'est pas 1,5 million, c'est 200 000. Le troisième, Jessie, c'est pas 200 000, c'est 60 000. Enfin, c'est un peu la catastrophe. Et puis, c'est difficile de survivre à un tel succès. Vous n'avez pas trop de pognon. Vous dites, je n'ai même plus le souvenir de ce que j'ai fait de l'argent de Cargo. Donc, c'est dire... Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, en 90, il y a Éteint la lumière, qui vous a remis un petit peu, c'est le cas de le dire, sous les feux de l'actualité. Alors, la naissance de votre fils, ça vous a fait quand même prendre conscience de la réalité, ça vous a rendu moins égocentrique, sûrement. Oui. Non ? Oui, bien sûr. Ça me l'a fait à moi, donc j'imagine que ça vous l'a oui, fait à moi. Oui, ça me l'a fait, ça a été une révélation, je me suis rendu compte que mes parents étaient des êtres humains comme tout le monde, de plein de petites choses aussi. C'est vrai que vous avez accouché vous-même votre femme dans le désert ? Non. C'est pas vrai, ça. Non. C'est une légende. À la maison. À la maison. Mais vous l'avez accouché vous-même. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.